Vous le savez, le football féminin est à l'honneur ce vendredi, quelques jours après la journée internationale des droits à la femme et quelques mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde féminine 2019. Nous avons le plaisir de recevoir 5 des membres de la commission régionale de féminisation de la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté de football. On accueille Claire Delpierre, Joël Parizeau, Valérie Chaillet, Martine Gramont et Corinne Lagrange. Comment va le foot féminin dans notre région ? Eh bien, le foot féminin dans notre région va très bien. Les effectifs, c'est 9130 licenciés, dont 7301 pratiquantes de U6 à senior, 1819 dirigeantes, 45 arbitres, 77 éducatrices et 68 membres officiels féminins. Et je vais dire que le football féminin en France, c'est 175 000 licenciés. Aurélien Vouta, Aurélie Carteron, responsable de la section féminine du FCSM. Comment est née cette section féminine ? Donc elle est née en septembre 2017 sous l'égide de l'école de l'association du FC Sochaux. L'objectif, c'est d'emmener un maximum de filles vers le plus haut niveau. Hein. On va faire le maximum pour les faire progresser. Alors actuellement, on a 16 filles dans l'équipe U12 F et on a 7 filles en U9 F. Alors ici, il y a Inès. Ça va Inès ? Oui. Gardienne ? Et ton prénom ? Eila. Contente d'être ici ce soir au Stade Bonal ? Oui. On est de retour avec Corinne Lagrange. Bonsoir Corinne. Bonsoir. Vous, en tant qu'ancienne arbitre internationale, vous allez donner le coup d'envoi fictif du match de ce soir. Vous ne serez pas toute seule, hein, vous serez accompagnée de la première licenciée de la section féminine du FCSM. On va en parler dans quelques instants. J'imagine, Corinne, que c'est un plaisir pour vous d'être là ce soir. Ah oui, tout à fait. Surtout que je connais bien le stade puisque j'ai arbitré ici, en Ligue 1, en Ligue 2. Donc ça fait très plaisir de revenir. Surtout pour promouvoir le foot féminin et l'arbitrage féminin. Et vous allez porter chance au FC Sochaux-Montbéliard, j'en suis sûr. Bah, je l'espère.